dukorere nk'Imana. Amen. Imana ibaho umugisha. Que Dieu vous bénisse. Eh twakiriye pasteri kugira ngo akomeze. Nous recevons le pasteur pour continuer avec le programme. Avant tout, nous recevons les visiteurs qui sont au milieu de nous. Ils peuvent se tenir debout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. S'il y a d'autres aussi. Que Dieu vous bénisse. Vous recevez dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Mushobora kwicarira ariko sinzi niba twakire ubutumire. Nous recevons cette invitation mwene data Athanase de notre frère Athanase. Te umushyitsi wacu. Nous avons notre visiteur. Hanyuma birashoboka mu kibuga gitaha ko hari undi. Et la semaine prochaine, on aura notre visiteur. Avant nous, devant nous, il y a au moins trois. Vous devez continuer à prier pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous allons chanter pour se préparer à recevoir la parole. Thank you.
Loué soit l'Éternel. Alléluia. Mon Éternel, ma victoire. Alléluia. Saluons l'Église du Dieu vivant ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'être avec vous ici. Je remercie le pasteur Vianney qui a bien accepté de nous donner, de nous céder la chair. Et je vous remercie pour votre hospitalité. Que le Seigneur vous comble de ses riches bénédictions. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous inclinons pour un mot de prière. Encore une fois, ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici réunis dans cette maison pour entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, tu as entendu les chants de louanges qui ont été élevés en ton honneur. Et bénis la portion de l'Écriture qui sera lue. Accorde-nous-en le contexte. Seigneur, ce matin, encore une fois, sauve les pécheurs, guéris les malades, sanctifie nos vies, remplis-nous du Saint-Esprit, résous nos difficultés, Seigneur. Fais toutes choses bien pour chacun de nous. Parce que nous sommes dans ta présence pour cela. Nous l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Colossiens. Chapitre 1. Vous pouvez lire du chapitre du verset 15 au 29e, mais nous allons lire quelques versets seulement. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo kumusaraba we imwiyungisha n'ibintu byose ari byo mwisi cyangwa ibyo mwijuru. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwara abanzi bayo mu mitima yanyu no kubwa imibiri. Verset 25. C'est d'elle, elle, c'est-à-dire l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Itorero iryo nahinduriwe umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye kubganyu kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose ari ryo bwabwira ubwahishwe uherekera kose n'ibihe byose ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens,
savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Abo imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'uburyo bwinshi bw'uburyo bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga aribwo Kristo uri muri mwe aribyo byiringiro by'ubwiza. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, veuillez vous asseoir. Imana umugisha ijambo ryayo mushobora kwicara. Vous savez, nous sommes en train de parler de ce sujet, le dessein de Dieu, voir ce que Dieu avait conçu en lui-même depuis l'éternité comme plan du salut. Muziko icyo turi kwigaho ari umugambi w'Imana werekeye agakiza w'Imana yari yateguye mbere y'uko ibihe bibaho. Et comme vous le savez, nous vivons un laps de temps le plus important de toute l'histoire de l'Église aujourd'hui. Comme ubizi igihe cyacu turimo nicyo gihe cy'igiciro gikomeye mu bihe byose byabayeho mu mateka y'itorero. Parce que maintenant c'est le couronnement de ce que Dieu avait commencé. Et kubera ko ubu ngubu turi mu gihe cyo gusoza kw'ibyo Imana yatangiye. Vous savez que c'est toujours la fin qui est couronnée. Kandi murabizi iherezo buri gihe niryo rihembwa niryo rihabwa ikamba. Le commencement est nécessaire, il doit être juste et correct. Et gutangira ni byiza kandi bikwiye kuba binyuze mu buryo bwiza. Mais le couronnement c'est à la fin. Ariko guhembwa no guhabwa ikamba ni kwiherezo. Et nous vivons dans le dernier âge. Et kandi turi mu gisekuru cyanyuma. Où Dieu va achever l'œuvre qu'il a commencé. Aho Imana igiye gusoza umurimo yatangiye. Depuis Abraham. Uhereye kuri Abrahamu. Réalisé en Jésus-Christ. Et ndetse ikabisohoreza muri Yesu Kristo. Et maintenant Dieu va achever cette œuvre. Ariko none ubu Imana igiye gusoza uwo murimo. Et je vous dis, comme l'Écriture dit, beaucoup de prophètes et de rois avaient désiré vivre notre temps. Soyez heureux de vivre en ce temps. Parce que c'est le temps où le Seigneur va achever son œuvre. Et nous avons les signes des temps et qui montrent que réellement, bientôt, l'Église va aller dans l'enlèvement. Vous savez, vous connaissez le chapitre 24 de Matthieu, qui parle des signes de temps de la fin. Il est parlé de séduction, il est parlé de famine, il est parlé de guerre et de bruit de guerre. Il est parlé de tremblements de terre et d'autres catastrophes. Et nous voyons ces choses-là. Mais au verset 32 de Matthieu 24, il est parlé du figuier. Instruisez-vous par la comparaison tirée du figuier. Et le figuier, nous le savons, c'est le peuple d'Israël. Comme le Seigneur dit dans Osée chapitre 9, verset 10, il dit à Israël, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits du figuier. Et le prophète nous a dit ceci, que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Pour connaître l'heure qu'il fait au programme de Dieu. Comme nous avons le calendrier pour connaître le jour de la semaine. Et la montre pour connaître l'heure du jour. Tous les signes sont bibliques et nous les prêchons. Mais Israël est un signe très important. Parce qu'il nous situe, nous, en tant qu'Église épouse. Quelle heure il fait au programme de Dieu? Pourquoi? Parce que nous savons que depuis la crucifixion du Messie, Dieu a ouvert une brèche, il s'est tourné vers les nations pour chercher une
un peuple qui porte son nom. Kugira ngo yishakire ubwoko butwara izina ryayo. C'est ça l'épouse. Uwo nguwo niwe mugeni. Elle est faite de toutes les nations. Kandi agizwe n'abo mu mahanga. De tous les peuples de la terre. Agizwe n'abantu bo mu moko yose yo mu isi. N'abantu bo mu ndimi zose zo mu isi. De toutes les tribus. Abo mu moko yose. Mais portant son nom. Ubwoko butwaye izina rye. Et depuis là. Kandi uhereye aho ngaho. Le temps des nations n'est pas compté. Et ibihe by'abanyamahanga byo ntago bibazwe. Vous le savez par le livre de Daniel. Murabizi binyuze mu gitabo cya Daniel. Chapitre 9. Igice cya 9. Alors que Daniel priait pour la fin de la captivité d'Israël en Babylone. Daniel yasengeraga iherezo ry'uburetwa bw'Abisiraeli i Babylone. Mais le Seigneur lui a donné en fait le temps complet imparti à Israël jusqu'à la fin de cette civilisation. Ariko noneho Imana imuhishurira ibihe by'Abisiraeli uko bigiye bigabanyije kugeza muri iki gihe ku iherezo ry'iki gihe cyacu. 70 semaines d'années prophétiques. Eh ibyumweru 70 by'imyaka mu buryo bw'ubuhanuzi. Vous savez que depuis la crucifixion du Messie. Kandi muziko uhereye ubwo Mesiya yabambwaga. 69 semaines ont déjà été consommées pour Israël. Ibyumweru 69 byamaze kurangira ku byece bisire. Il ne reste qu'une semaine. Basigaranye gusa icyumweru kimwe. Entre la 69e et la 70e semaine. Hagati y'icyumweru cya 69 n'icyumweru cya 70. C'est là que Dieu nous a ouvert nous les nations une brèche. Aho ngaho ni Imana twegwe abanya mahanga yaduciriyemo akanzu. Quand maintenant le Seigneur termine avec les nations. Noneho igihe umwami asozanya n'abanyamahanga. Si vous lisez dans Romains 11 verset 25. Usomye mu Roma 11 murongo wa 25. Il est écrit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens puissent entrer. Handitse ko igice kimwe cy'Abisiraeli banangiye imitima kugeza ubwo umubare w'abanyamahanga washaka kuzura. Et maintenant que nous voyons ce qui se passe en Israël, nous disons que le Seigneur est à la porte. Turavuga rwose ko umwami ari ku muryango. D'abord le rassemblement d'Israël. Mbere na mbere kuteranywa kw'Abisiraeli bakagaruka mu gihugu cyabo. Le Seigneur qui avait dispersé Israël depuis l'an 70. Umwami wari waratatanije Abisiraeli guhera mu mwaka wa 70. A permis que Israël soit retourné sur sa terre. Niwe wongeye kwemera ko Israël igaruka ku butaka bwa. Et cela était déjà annoncé. Kandi ibyo byari byarabanje kuvugwa mbere. Veli cela dans Jérémie 31, veli cela dans Ézéchiel 36. C'est pas tellement notre sujet du jour. Ntabwo ari cyo twigaho uyu munsi. Et Dieu fait toutes choses conformément à ses promesses. Kandi Imana ikora byose ikurikije uko yari yarasezeranye. Et il accomplit ses promesses telles qu'il les a faites. Kandi isohoza amasezerano yayo neza neza nkuko yatanze. Personne n'a le droit d'interpréter la promesse de Dieu. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gusobanura isezerano ry'Imana. Il est fidèle à ce qu'il promet. Imana niyo kwiringirwa mu byo isezeranya. Maintenant qu'Israël est rassemblé, non, Israël imaze guteranyirizwa mu gihugu cyabo, et que le dernier message est en train d'être apporté au monde entier, ubutumwa bwa nyuma bukaba burimo kumenyeshwa isi yose. Parce qu'après ce message, il n'y en a pas un autre. Kubera ko nyuma y'ubu butumwa nta bundi butumwa buhari. Nous sommes dans le septième âge, le dernier. Turi mu gisekuru cya 7 ari nacyo cya nyuma. Amen. Amen. Avec les dernières déclarations du président américain, ushingiye ku magambo mu président américain aherutse kuvuga, Donald Trump, qui a fait la déclaration sur Jérusalem comme étant la capitale d'Israël seul, wavuze kuri Yerusalemu avuga ko ari umurwa wa Israël yonyine. Non seulement cela, ntabwo ari byo gusa, mais aussi il y a un défi. Ahubwo hari n'undi souhait, hari icyifuzo, hari indi ntego. Comme quoi durant son mandat le temple devait être reconstruit à Jérusalem. Uburyo yifuza rwose ko mu gihe akiri ku butegetsi urusengero rukwiye kubakwa Yerusalemu. Ce sera le troisième temple, vous le savez. Kandi urwo ruzaba rusengero rwa gatatu, murabizi. Le premier avait été détruit par Nebuchadnezzar. Urwa mbere rwasenywe na Nebuchadnezzar. Le temple qu'avait bâti Salomon. Urwo Salomo yari yarubatse. Lors de la captivité babylonienne. Mu gihe cy'ubunyage bwa Babiloni. Et il avait été reconstruit par Zorobabel. Rwongeye kubakwa na Zorobabel. Et c'était le deuxième temple. Kandi urwo rwari urusengero rwa kabiri.
et qui a été détruit en l'an 70 de notre ère par les Romains. Imaginez-vous que presque 2000 ans, il n'y a pas de temple en Jérusalem. Mais pourquoi? Depuis 1948, que Israël est un État indépendant, depuis là, on ne parle pas de Jérusalem, la capitale d'Israël. Toutes les institutions officielles se trouvent à Tel Aviv. Mais cette fois ici, on a entendu le président Donald Trump dire qu'il va déplacer, déménager l'ambassade américaine vers Jérusalem. Et la décision de la reconstruction du temple. Vous savez que c'est vraiment une déclaration historique. Parce que Dieu a choisi Israël. Comme sa nation. Parce qu'il n'y a que deux peuples choisis de Dieu. D'un côté, Israël en tant que nation. De l'autre côté, l'Église des gentils que nous sommes. Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Et Israël, peuple choisi de Dieu, est constitué de 12 tribus. Et parmi les 12, Dieu a choisi Judas. C'est pourquoi Christ est le lion de la tribu de Judas. Et dans Judas, Dieu a choisi Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem que le temple doit être érigé. Comme au temps de Salomon et au temps de Zorobabel. Amen. Amen. Et ce que je vous dis là, nous pouvons le lire dans Zacharie très rapidement. Zacharie chapitre 1 d'abord. Zacharia, igice cya mbere abariho duhera. Le choix de Jérusalem. Gutoranywa kwa Yerusalemu. Comme lieu où le temple doit être érigé. Nk'ahantu hagomba kubakwa urusengero. Au verset Zacharie 1. Zacharia, igice cya mbere. D'abord au verset 14. Duhereye ku murongo wa 14. L'ange, si vous voulez. Le choix d'Israël, vous pouvez lire Deutéronome 6, Deutéronome 7, à partir du verset 6, Dieu montre comment il a choisi Israël comme son peuple. Mais regardez ici, et l'ange qui me parle me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Marayika twavuganaga arambwira ati rangurura uvuge cyane uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati mfuhiye I Yerusalemu ni Siyoni ifuhe ryinshi. Au verset 16. Murongo wa 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. E nicyo gituma Uwiteka avuga ati ngarukiye I Yerusalemu mpafitiye imbabazi. Inzu yanjye izahubakwa niko Uwiteka Nyiringabo bavuga Yerusalemu hazagereshwa umugozi. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Ongera urangurure uvuga uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzuza kuzura ibyiza biyisaguke. Uwiteka azongera kumara Isiyoni umubabaro kandi azongera guhitamo Yerusalemu. Et au chapitre 2 verset 12, mu gice cya kabiri umurongo wa 12, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, il choisira encore Jérusalem. Maze Uwiteka uwo munsi verset 12 umurongo wa 12,
Zacharie 2, verset 12. Le même livre. Zacharie 2, 12. C'est différent. Kuko Uiteka Nyiringa bavuze ngo azagarura i Buyuda habe umugabane we mu gihugu cyera kandi azongera gutoranya Yerusalemu. Au chapitre 3, mu gice cya gatatu, du même livre, verset 2, mu murongo wa kabiri, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Amen. Uiteka abwira Satani ati Uiteka guhane yewe Satani ni koko Uiteka watoranyije Yerusalemu aguhane. Pourquoi à la fin des temps? Cette question de Jérusalem est à l'ordre du jour avec la construction du temple. Kibazo cya Yerusalemu no kubakwa k'urusengero byongeye kugarukwaho cyane. Parce que au millénium, kubera yuko mu myaka igihumbi y'ubwami, quand l'église épouse sera enlevée, ubwo itorero umugeni rizazamurwa, les nations du monde entier, amahanga yo mu isi yose, monteront à Jérusalem, azajya azamuka ajya i Yerusalemu, pour y adorer l'Éternel, le Dieu d'Israël, kubwo kuhasengera Uwiteka Imana y'Israeli, parce que ce sera le royaume de Christ. Kuko buzaba ari ubwami bwa Kristo. Amen. Amen. C'est ainsi que si vous lisez dans Apocalypse 11, niyo mpamvu iyo musomye mu byahishu gice cya 11, verset 1 et 2, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, lisons rapidement cela. Tuhasome twihuse. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Murongo wa mbere bampurubingo rusa n'inkoni bati haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas car il a été donné aux nations, elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Amen. Amen. Ça, ce sont des choses qui auront lieu après l'enlèvement de l'église. Ibi ni ibintu bizabaho nyuma yo kuzamurwa kw'itorero. Jean a vu. Yohana yabonye le mesure du temple. Yabonye ibipimo by'urusengero. On lui a donné le roseau. Bamuha urubingo. Pour mesurer le temple, l'autel. Kugira ngo apime urusengero n'igicaniro. Mais on lui dit, en ce qui concerne le parvis extérieur, ne le mesure pas, parce qu'il est destiné à recevoir les nations. Ils sont trop nombreux. Donc, Jérusalem sans le temple n'a pas de signification. Je crois que vous avez vu dernièrement une médaille, une pièce métallique sur laquelle on a gravé le visage de Cyrus et de Donald Trump. Ndibwira ko mwabonye iki cyo cyifeza kimeze nk'igiceri bashanjeho isura ya Donald Trump na Cyrus Kuro. En Israël, on a gravé ça dernièrement. Et muri Israël baragishushanyije mu minsi ishize. Et d'un côté, on présente le temple, le plan du temple. Uruhande rumwe bashyiraho ifoto ya plan y'urusengero. Depuis les dernières déclarations du président Donald Trump. Et nyuma y'amagambo ya nyuma Donald Trump yaramaze kuvuga. Ce sont des grandes déclarations. Ayo ni amagambo rwose akomeye cyane. Nous ne sommes pas des politiciens. Twebwe ntabwo turi abanyepolitiki. Mais nous les regardons du point de vue prophétique. Ariko tubirebera mu buryo bw'ubuhanuzi. Amen. Amen. Avec ces nouvelles, kandi hamwe n'ayo makuru, parce que quand le temple est rebâti, kubera ko igihe urusengero ruzaba rwubatswe, et il sera rebâti quand Dieu reprend la dernière semaine qui reste à Israël, kandi ruzubakwa mu gihe Imana izaba yatanze cya cyumweru cyari gisigaye cya Israël. C'est-à-dire que le temps des nations est compté. No kuvuga ngo ibihe by'abanyamahanga birabaze. Je crois que l'église comprend bien cela. Ndibwira ko itorero ribyumva neza. Cette déclaration est conforme à la Bible parce que Jérusalem est la capitale d'Israël. Kandi ayo magambo ajyanye neza na Bibiliya kuko Yerusalemu niwe murwa mukuru wa Israël.
C'est vrai, il y aura des négociations, comme nous le savons, la conclusion de ce traité de paix. Nibyo koko hazabaho ibiganiro habeho no gusinya amasezerano y'amahoro. Mais avant cela, ariko mbere y'ibyo, Jérusalem doit être la capitale d'Israël. Yerusalemu igomba kubanza kuba umurwa mukuru w'igihugu. Les négociations suivront. Noneho ibindi biganiro bikurikireho. Amen. Amen. Comme au temps de Cyrus, kandi nkuko byagenze mu gihe cy'umwami muri Ezra igice cya mbere, Dieu a réveillé son esprit, Imana yakanguye umutima wa Kuro, pour qu'il ordonne la reconstruction du temple, kugira ngo ashyireho itegeko ry'uko urusengero rugomba kongera kubakwa. Et on voit un Trump qui s'élève aujourd'hui. Kandi n'uyu munsi turabona Trump wahagurutse. Sans froid aux yeux. Nta bwoba afite mu maso. Ne craignant personne. Nta muntu n'umwe atinye. Parce que cela lui a attiré l'animosité, la haine du monde entier. Cette décision n'a pas rangé la Ligue arabe. L'Europe non plus. Même l'ONU n'a pas été d'accord. Mais c'est Dieu qui a réveillé l'esprit de Trump. Comme il avait réveillé l'esprit de Cyrus. Nous vivons un laps de temps très important. Et au mois de janvier ici, plus exactement le 26 janvier, lors du Forum économique mondial qui a eu en Suisse, à Davos, le premier ministre Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, il a exprimé des actions, son expression de gratitude à Donald Trump. Il a vu ses gros samagambo, il chime les comme au sujet de sa décision. Ashingiye ku cyemezo cye yafashe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a mubwiye ngo iki? Il lui dit. Yaramubwiye ati. Monsieur le président. Ati nyakubaha président. Vous avez pris la décision qu'aucun négociateur n'a osé prendre avant vous. Ati wafashe cyemezo kitigeze gifatwa n'umuntu n'umwe mu bajye bagerageza guhuza abantu. Notre peuple vous sera toujours reconnaissant. Ati kandi ubwoko bwacu buzahora bugushimira. Et il ajoutera. Yongeraho ati. Il y en a qui disent que cette décision est de nature à retarder le processus de paix ou la négociation. Aravuga ati hari abandi bavuga batekereza hari ko icyo cyemezo cyafashwe gishobora gukerereza ibyerekeye imibanire n'abanyapalestine. Netanyahu dira. Netanyahu aravuga ati. Au contraire. Ati ariko cette décision va faire progresser les négociations. Kizatuma ibyerekeye amasezerano n'ubwumvikane byihuta. Alléluia. Amen. Et Frère Frank dit. Non, data Frank aravuga ati. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Ati turashimira Imana cyane. Pour la bonne décision prise par le président américain. Ubw'icyemezo cyiza cyafashwe na perezida w'Abanyamerika. Et Donald Trump. Kandi Donald Trump. Quand il s'est retourné, vous savez qu'il y a eu des puissants présidents américains. Murabizi ko habayeho abaprezida bakomeye b'Abanyamerika. Comme de Bush. Nkaba Bush. De Clinton. Ba Clinton. Et Obama. Ba Obama. Mais personne n'avait jamais pris cette décision. Nta wundi wari warigeze gufata icyemezo kimeze nk'icyo. Dieu fait chaque chose en son temps. Imana ikora ibintu byose mu gihe cyayo. Dieu n'est jamais en retard ni en avance. Imana ntijya yihuta cyangwa se ngo ukererwe. Alléluia. Amen. Et le président Trump qui dit Kandi, président Trump avuga ati, que il demande à l'OLP, aux Palestiniens, de retourner à la table de négociation. Asaba abanyapalestine kugaruka ku meza y'ibiganiro. Quand bien même nous savons par la prophétie Kandi, natwe ubwacu turabize binyure mu hanozi, que ce ne sont pas les États-Unis qui vont en fait amener la conclusion de ce traité de paix. Tuzi neza ko atari abanyamerika bazageza kuri ayo masezerano y'ubwumvikane y'amahoro. Vous savez que c'est Vatican qui le fera. Murabizi ko ari Vatican izabisohoza. Amen. Amen. Mais ariko kandi il est en train de déblayer le chemin. Barimo gutegura ibyo byose inzira. Il leur a dit kandi yarababwiye ati, si vous ne retournez pas à la table de négociation, nimutagaruka ku meza y'ibiganiro, l'Amérique va couper l'aide de 600 millions de dollars qu'il vous donnait chaque année. Amerika izahagarika inkunga ya miliyoni 600 z'amadolari yabahaga ku mwaka. Bien de mes frères, bakundwa bene data,
bien-aimés sœurs. Pourquoi nous en parlons? Parce que Israël est un signe pour nous. Un grand signe. Signe de temps. Nous sommes en train de voir comment les choses se bousculent. Les choses se mettent en place pour que Dieu reprenne l'histoire du salut avec Israël. Et je vous dis, la reconstruction du temple appartient à la dernière semaine d'Israël. Et comme vous le savez déjà, la conclusion de ce traité de paix n'aura pas lieu et nous étant toujours sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers. Que l'on soit au Rwanda, au Congo, en Belgique ou aux États-Unis, nous avons notre patrie. Nous sommes ici pour un petit temps. Un de ces quatre matins, on ne nous verra plus au Rwanda. Nous serons enlevés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes frères. Le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez vos têtes. Parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Amen. Et le Fils de l'homme est à la porte. Est-ce que nous regardons ces choses pour remplir nos têtes de connaissances? Parce que nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes l'église des gentils. Nous sommes l'église épouse. Mais Israël nous sert de signe. Alors, nous ne devons pas seulement nous mettre à parler d'Israël, mais nous devons aussi focaliser notre attention tout en regardant Israël pour savoir quel temps il fait au programme de Dieu. Maintenant, nous regardons qu'est-ce que Dieu fait dans l'Église. Parce que nous ne sommes pas la nation Israël. Nous sommes l'Église. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? Voilà pourquoi nous parlons du dessein de Dieu. Parce que ce qui est important maintenant, le commandement de l'heure maintenant, il faut que chacun de nous fasse toutes les expériences du salut. Une repentance sincère et authentique. Une conversion authentique. Mourir à soi-même et naître de nouveau. Mener une vie sanctifiée. Et comme nous l'avions dit l'avant-dernier jour, avant-hier, on ne peut pas être sanctifié si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Nous devons savoir ce que nous venons faire ici. Non seulement être sanctifié, mais nous devons être baptisés, scellés du Saint-Esprit. Et c'est une promesse pour maintenant. Dieu le fait. Ce matin, si vous êtes disposé, Dieu vous remplit de son esprit. Dieu sanctifie votre vie. Il vous sauve. Parce que c'est ce qu'il fait maintenant. Donc nous vivons un temps merveilleux. Et touchant ce dessein, le dessein merveilleux que Dieu s'était conçu en lui-même depuis l'éternité, comme nous l'avons vu dans la semaine, alors qu'il était tout seul, Elohim, habitant d'une lumière inaccessible, plein de vie et de lumière, il est sorti de l'éternité
Et il a pris un corps théophanique. Ifata mubiri wa Théophanie. Tout au long de l'Ancien Testament. Mu gihe cyose cy'Isezerano rya kera. En tant que Yahweh. Et iri muri mu izina rya Yahweh. Et il s'est fait voir au prophète. Maze ikajya yibonekera abahanuzi. Jusqu'à Jésus-Christ. Kugeza kuri Yesu Kristo. Jésus-Christ n'était pas un prophète. Yesu Kristo ntabwo yari umuhanuzi. Il était lui-même le prophète. Ahubwo ubwe yari wa muhanuzi. C'est-à-dire tous les prophètes se retrouvaient en Christ. Kuvuga ngo abahanuzi bose bari muri Kristo. Ils étaient le reflet de Christ. Abahanuzi bose bari igicucu cya Kristo. Mais Christ, comme nous avons vu. Ariko Kristo nkuko twabibonye. Et comme nous venons de le lire ce matin. Ari nkuko tumaze kubisoma. Et il est la plénitude de toute la divinité. We niwe kuzura kose kumana. Alléluia. Amen. Qui a vu l'un de ses prophètes? Et uwabonye umwe muri barabahanuzi. Y compris William Branham. Barimo na William Branham. N'a vu qu'un homme. Iwo yabagabonye umuntu. Mais qui a vu Jésus a vu Dieu. Ariko uwabonye Yesu yabaga abonye Imana. Dans sa plénitude. Yabagabonye Imana mwuzura. C'est l'unique homme. Niwe muntu wenyine wabaye. De chair et de sang. Wambaye umubiri n'amaraso. En qui toute la plénitude de la divinité a été a habité corporellement. Pourquoi cela? Parce que Dieu seul, Dieu ayant vu qu'il n'y avait personne qui pouvait nous racheter. Parce que depuis Adam, nous étions tous souillés. Et dans la loi de rachat, il fallait être un parent proche, un parent rédempteur pour pouvoir racheter. Ainsi donc, Dieu est devenu un homme. Imana yahindutse umuntu. De chair et de sang. Yambara umubiri n'amaraso. Pour mourir. Kugira ngo ipfe. Amen. Amen. Il a porté nos péchés dans son corps de chair. Yikoreye ibyaha byacu umubiri we. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Kandi igihano cyo kuduhesha amahoro kigwa kuri we. Et par sa mort de la croix. Maze binyuriye ku rupfu rwe rwo ku musaraba. À cause du sang qui a été versé. Ubwo amaraso yamenetse. Qui n'était pas le sang d'un homme pécheur, mais le sang précieux de l'agneau de Dieu, le sang du juste. À cause de ce sang qui a été versé, nous avons été pardonnés. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Parce que le péché nous avait séparés de lui. Amen. Amen. Après qu'il ait accompli cela, et il est venu, comme nous avons vu, pour détruire toutes les œuvres du diable. Le péché, qui est l'incrédulité. Et nous avons montré que l'adultère, le vol, le mensonge, ce sont les attributs de l'incrédulité. Ah. Et le Fils de Dieu, notre victime expiatoire, a paru pour ôter le péché. C'est pourquoi quiconque croit en lui, Dieu lui donne un cœur nouveau. Il enlève le cœur incrédule. Alléluia. Amen. Et il nous donne un cœur crédule, un cœur qui plie à la parole de Dieu. C'est ça que Dieu fait dans cette nouvelle alliance. L'alliance en son sang. Et nous avons fini pour dire il est devenu un homme de chair et de sang. En tant que plénitude de la divinité. Parce que Dieu n'est pas un homme. Mais il est devenu un homme. En Jésus-Christ. Pour goûter à la tentation. Et pour nous comprendre quand nous sommes dans le besoin. Mais aussi, revenons dans Colossiens 2. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
on répète cela. Nyamara muri we niho hari kuzura kumana kose mu buryo bw'umubiri. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Pourquoi la plénitude de la divinité a habité en lui? C'est pour que nous ayons tout pleinement en lui. De cette plénitude, que nous ayons le plein pardon. Alléluia. Amen. Et que nous ayons une pleine délivrance. N'acceptez pas d'être un chrétien partiel. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Non. Dieu n'est pas un comédien. Son œuvre est parfaite. Alléluia. Amen. Quant à la chair, Christ était totalement un homme. Mais quant à l'esprit, il était totalement Dieu. Pourquoi? Pour nous assurer une délivrance totale. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Jean 8, je crois verset 36, il dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Frère, Benedata, n'accepte pas d'être vaincu par quoi que ce soit. Apportez toutes vos faiblesses sous le sang de l'agneau. Il est notre victime propitiatoire. Alléluia. Amen. Croyez. Wizere. Comme disent les Écritures. Wizere. Ne dites pas ça c'est difficile. Il n'y a rien de difficile à dire. Tout est possible à celui qui croit. Même de la guérison. Quand Dieu vous guérit, il vous guérit parfaitement. J'ai vu dans mon humble ministère des guérisons terribles. Vous les avez aussi vécu ici parce que Dieu fait partout ce chose. Des hommes, plus de 30 ans malades. Les médecins du Congo, de l'Afrique du Sud, ont échoué. Les spécialistes ont échoué. Mais j'ai vu. Oh, Dieu est réel. Par la foi d'une femme. Parce que ce n'est pas le prédicateur qui vous guérit. Il y a des prédicateurs qui bombent le torse. Au moins, si j'ai pris pour vous. Non. La guérison, la foi de la guérison se trouve dans le malade. Kwizera gutanga gukira kuba kuri mu murwayi. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la foi, niba udafite kwizera, il n'y aura rien. Nta kintu na kimwe cyaboneka. Une femme qui avait reçu une balle dans son estomac, qui a perforé l'estomac. L'estomac étant déformé depuis plus de 30 ans, elle ne pouvait pas, elle avait des douleurs chaque jour. Elle ne pouvait pas dormir parce que si elle dort, même pour marcher, elle avait toujours la douleur. Mais j'ai vu. Dieu est réel. Une simple prière. Parce que la sœur a dit, je crois dans les promesses de Dieu. Croyons comme disent les Écritures. Et Dieu est fidèle, il honore la foi. Frère, j'ai vu cette sœur guérie. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous donner en détail ce témoignage-là. La médecine est limitée. Mais Dieu n'est pas limité. Amen. Amen. Et puis quand les médecins ont déjà échoué, ils vont commencer à vous amadouer avec des calmants, des trucs comme ça. Mais notre Dieu dit, Psaume 103,
Muri Zaburi ijana na gatatu. Je suis l'Éternel Dieu. Iravuga iti jyewe ndi Uwiteka Imana. Toutes tes iniquités. Ibabarira gukiranuka kwawe kose. Et qui te guérit de toutes tes maladies. Kandi igukiza uburwayi bwawe. Ne dites pas cette maladie, il n'y a pas moyen. Non. Uburwayi bwo ntibishoboka. Il n'y a pas moyen pour les hommes. Ku bantu bo ntibishoboka nyine. Mais devant Dieu. Ariko imbere y'Imana tout est possible. Byose birashoboka. Amen. Si vous lisez, je crois dans Genèse 18, usomye mu itangiriro 18, je crois verset 10 ou 14, ndibwira ko ari umurongo wa 10 cyangwa 14, l'entretien de Dieu avec Sarah, ikiganiro hagati y'Imana na Abraham, parce que Sarah avait ri quand Dieu avait fait la promesse d'Isaac, kubera ko Sarah yari yasetse, elle qui était déjà vieille, Isaka kuko yari ashaje, mais quand vous lisez là, ariko iyo usomye aho, le Seigneur dit, umwami aravuga ati, Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle dit? Uwiteka aravuga ati, kubera iki Abraham, kubera iki Sarah? Y a-t-il quelque chose de difficile à Dieu? Imana iti, ese hari ikintu cyananira Imana? Autrement dit, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Muyandi magambo, ese hari ikintu cyakomerera Imana cyangwa kitashoboka? Rien n'est impossible à Dieu. Nta kintu na kimwe kidashoboka imbere y'Imana. Alléluia. Amen. Voilà, mes chers frères, n'acceptez pas d'être un chrétien à moitié. Soyez une femme soumise, totalement soumise. Un homme qui aime vraiment sa femme. Pas faire semblant d'aimer sa femme. C'est ce que Dieu veut. Un enfant soumis aux parents. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Pas dire je suis chrétien, mais vous faites le compromis avec le monde. Non. Refusez les compromis. Acceptez votre délivrance. Amen. 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 Et nous allons toucher le deuxième volet qui est très important. Le deuxième volet du dessein de Dieu. Le premier volet, comme nous avons vu, il s'est manifesté pleinement dans un seul homme. Pour être notre sauveur. Pour nous racheter. Pour nous réconcilier avec lui-même. Pour nous secourir. Pour être notre soutien, notre appui. Parce que le but de ce dessein, Dieu voudrait se manifester, déployer ses attributs, montrer ouvertement ce qu'il est, lui qui était dans la cachette originelle. Amen. Amen. Mais en Jésus-Christ, il a manifesté ce qu'il était. Jésus-Christ était Dieu. Souvenez-vous, ce jour-là dans la barque, alors que la tempête les menaçait, et les disciples avaient peur, ils pensaient que la barque allait être renversée, et comme homme, il dormait. J'ose croire qu'il dormait même profondément. Alléluia. Amen. Et quand ils l'ont réveillé, maître, mais Seigneur, nous mourons. Data buje turapfuye. Il s'est levé. Arakanguka. Comme Dieu. Parce que la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a dit, tempête, calme-toi. Silence. Et la tempête a reconnu son Créateur. Amen. Amen. Mais, non, dans, après qu'il soit mort, qu'il ait versé son sang, qu'il était monté au ciel après sa résurrection, il y a maintenant le deuxième volet. Non, néo hari indi ntambwe none. Du dessein de Dieu. Indi ntambwe y'umugambi w'Imana. Dieu veut avoir la prééminence. Imana ishaka kugira ubutware bwuzuye. Dans l'Église qui est son corps. Imana ishaka ko ari yo iba umutware mu itorero mubiri wayo.
ce qu'il faisait avec Jésus, ibyo yakoraga hamwe na Yesu, maintenant il veut le faire avec l'église. Ibyo yakoraga iri muri Yesu, irashaka kubikora. Nous avons lu tout à l'heure avec vous, kandi twabisomye mu kanya dans Colossiens 1, verset 18, que le Fils yuko umwana est la tête du corps de l'église. Umwana niwe mutwe w'umubiri we ari wo torero. N'est-ce pas? Sibyo. Alors, ce qu'il a fait avec la tête, noneho ibyo yakoranye n'umutwe, il veut le faire aussi à travers le corps. Irashaka kubikora no mu mubiri bwawo. Le corps de l'église. Umubiri ari wo torero. Amen. Amen. Il veut avoir toute la prééminence dans ce corps de l'église. Irashaka kuba riyo itegeka mu itorero ari ryo mubiri wayo. Vous comprendrez pourquoi les dénominations ne sont pas le dessein de Dieu. Muraza gusobanukirwa uburyo amadini atari umugambi w'Imana. Parce que il y a la parole mélangée. Et kubera ko aho ngaho hariyo ijambo rivanze. Avec les pensées des hommes. Ivanze n'ibitekerezo by'abantu. Tandis que Dieu veut avoir toute la prééminence dans son église. Nyamara Imana ishaka ko ariyo itegeka muri byose mu itorero. Voilà pourquoi dans l'église corps du Christ. Iyo niyo mpamvu mu itorero ryo mubiri wa Yesu. On ne peut pas tolérer une interprétation particulière. Tudashobora kwihanganira insobanuro z'abantu ku giti cyabo. Amen. Amen. Christ était la parole. Kristo yari ijambo. L'église doit être de la même nature que lui. N'itorero rigomba kuba rimeze nkuko Kristo yari ameze. Amen. Amen. Et ce corps, c'est ça l'épouse du Christ. Kandi uwo mubiri niwe mugeni wa Kristo. Voyez le mystère. Murabona ubwiru noneho. Tout ce qu'a été Dieu, Elohim, Imana yariyo yose igihe yarerewe, a été déversé dans toute sa plénitude en Christ. Yisutse wese muri Kristo. Comme nous l'avons lu. Nkuko twabisomye. Et tout ce qu'a été Christ, kandi uwo Kristo yariwe wese, il le déverse pleinement dans l'église, son corps. Yisuka mu itorero ariwo mubiri we. Pas dans un individu. Ntabwo ari mu muntu umwe, oya. Non. Oya. Dans l'église. Ahubwo mu itorero muri rusange. Corps du Christ. Itorero ryose nk'umubiri wa Kristo. Constitué de plusieurs membres. Rigizwe n'ingingo nyinshi. Chacun de nous a une portion. Buri wese muri twe afite agace gato. Mais la plénitude est dans l'église. Ariko kuzura kose kuri mu itorero. Et ça c'est selon sa promesse. Kandi ibyo bijyanye n'isezerano ryayo. Dans Ésaïe 53. Muri Yesaya 53. Ésaïe 53. Il nous est montré qu'après sa mort, après ses souffrances, il devait prolonger ses jours à travers sa postérité. La postérité par la foi, c'est ça l'église. Au verset 10, Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il a fait dans le premier volet du dessein de Dieu. Après, il verra une postérité et prolongera ses jours. Amen. 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 Nous pouvons lire ça bien dans Ephésiens 3. Ephésiens 3, verset 8. Oh, quel merveilleux dessein de Dieu dans lequel nous sommes inclus par grâce. Je commence au verset 3. Vous comprenez qu'après sa mort et sa résurrection, Christ devait prolonger ses jours. Amen. Nous allons bien en parler parce que c'est très important, nous sommes directement liés à ça. Au verset 3, Ephésiens 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Namwe nimuyasoma muzirebera ubwanyu uburyo menye ubwiru bwa Kristo koko. Verset 6. Mungu wa gatandatu. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Yuko abanyamahanga ari abaraganwa natwe. Forme un même corps.
kandi bakaba ingingo z'umubiri umwe. Et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Abaheshejwe n'ubutumwa bwiza kuzagabana natwe muri Kristo Yesu. L'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Nanjye nahindutse umubwiriza wabwo nk'uko impano iri y'ubuntu bw'Imana. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Nubwo noroheje cyane hanyuma yabera bose naherewe ubwo buntu kugira ngo ngirize abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Njijure bose ngo bamenye uburyo iby'ubwiru bikwiriye kugenda aribwo bwahishwe n'Imana yaremye byose. Ce mystère était toujours caché en Dieu depuis l'éternité. Ubwiru bwari buhishwe mu Mana uhereye. Au verset 10 qui m'intéresse maintenant. Murongo wa 10 nawo nshaka cyane. C'est pourquoi. Niyo mpamvu. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru, c'est-à-dire toute l'armée de Satan, ingabo zose za Satan qui domine et qui influence le monde entier, zitegeka zikayobora isi yose, qui influe dans la politique, qui influe dans la religion, arizo zishukana muri politique zigashuka abayobozi b'amadini, toutes ces autorités abo batware bose et toutes ces dominations ubwo bushobozi bwose connaissent aujourd'hui par l'Église bamenyeshwe uyu munsi n'itorero mu kwizera kwe. Au verset 21, Matthieu 16, Matayo 16:21, il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Yesu aherako yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. Pierre l'ayant pris à part. Et Petero aramwihererana. Se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Atangira kumuhana ati biragatsindwa mwami ibyo ntibizakubaho na hato. Autrement dit, nous aimons rester avec toi. Nous aimons rester avec toi. Mu yandi magambo ati twebwe twifuza ko twagumana. De temps en temps, tu nous fais du pain. Rimwe na rimwe rwose tubabaza. Mais Jésus se retourna dit à Pierre. Yesu aramuhindukirira. Arrière de moi, Satan. Ahindukirira. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arahindukira abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani umbere igisitaza kuko ibyo utekereza atari by'Imana ahubwo utekereza iby'abantu. Parce que le dessein de Dieu, kubera ko umugambi w'Imana, Dieu est venu lui-même dans la chair humaine, Imana yaje ubwayo mu mubiri w'umuntu, pour mourir et nous réconcilier avec lui-même, kugira ngo ipfe yiyunge natwe. Mais ça ne devait pas s'arrêter là. Ariko ntago byagomba kugarukira aho ngaho. Le dessein, la pensée cachée de Dieu. Igitekerezo gihishwe cy'Imana. Dieu voulait avoir plusieurs fils et filles qui lui ressemblent. Imana yashaka kugira abakobwa n'abahungu benshi basa nayo. Dieu devait maintenant habiter en nous. Imana yagombaga kugeza ubwo itura muri twe. C'est pourquoi il disait à Pierre. Niyo mpamvu yabwiraga Petero ati. Tu mets en scandale. Wowe umbere igisitaza. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ibitekerezo byawe ntabwo ari byo bitekerezo by'Imana. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas le dessein de Dieu. Ibyo ntago ari wo mugambi w'Imana. Jean 14. Yohana 14. Jean 14. Yohana 14. Verset 15. Murongo wa 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nimunkunda muzitondera amategeko yawe. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne peut il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Niwe mwuka ukuri ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Sinza basiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Amen. Amen. C'est ça
Et c'est très important. Et le Seigneur est mort. Et il est ressuscité, il est monté au ciel. Et le sang est sur le trône de grâce, intercédant pour nous, mais son esprit, selon sa promesse, est notre part. C'est notre héritage. D'ailleurs, le Saint-Esprit s'appelle la promesse du Père. Parce que Dieu a ses enfants. Il veut que son esprit habite en eux. Pour qu'il manifeste sa nature. Si vous lisez dans Matthieu 28, verset 20, il dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Donc c'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on devient membre de ce corps du Christ. Et nous sommes dans ce tabernacle, dans cette assemblée, comme membres de l'assemblée, mais nous devons maintenant franchir le pas. Il faut que chacun de nous devienne membre du corps du Christ. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes membres du corps du Christ, quand turi mu mubiri wa Kristo, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, nous sommes baptisés dans ce corps, et twa batirijwe muri uwo mubiri, nous sommes introduits dans ce corps, twashyizwe twinjijwe muri uwo mubiri, par un seul esprit, binyuze ku mwuka umwe. C'est ça qui fait l'unité de l'Église. Ibyo ni byo bikora ubumwe bw'itorero. Ce n'est pas une unité. Congo. Que vous soyez en Chine. Waba uri mu Bushinwa. Si l'Esprit de Christ habite en vous. Niba umwuka wa Kristo ari muri wowe. Nous sommes en unité. Tuba turi mu bumwe byanze bikunze. Et nous parlons le même langage de la foi. Kandi tuvuga imvugo imwe yo kwizera. Amen. Amen. Parce que c'est par un même esprit, un seul esprit. Kuko bituruka ku mwuka umwe. Et le corps est un. Kandi bityo umubiri ugahinduka umwe. Christ n'a pas de corps. Kristo ntabwo afite imibiri ibiri. Il est la tête de ce corps. Ahubwo we ni umutwe w'umubiri we. Lors de l'enlèvement, mu gihe cyo kuzamurwa, il vient pas prendre les assemblées. Ntabwo azaza kuzamura amateraniro. Il vient prendre son corps. Azaza gutwara umubiri we. Constitué des femmes et des hommes. Umubiri we ugizwe n'abagabo n'abagore. Justifié par la foi. Bajizweho gukiranuka bwo kwizera. Sanctifié par la parole. Bejejwe n'ijambo. Rempli du Saint-Esprit. Ujujwe umwuka we. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères, Dieu a permis que cela soit prophétisé dans la bouche de Caïphe. Avant la crucifixion de Jésus, cela c'est dans Jean 11. Parce que les points, ouvrez un peu Jean 11. Très important. Verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Et abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranye urukiko barabazanya bati tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi. Donc Lazare venait de ressusciter, vous le savez. Nuko Lazare yaramaze kuzuka murabizi. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Parce qu'ils étaient sous la captivité, la domination romaine. Et écoutez, l'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka arababwira ati vous n'y comprenez rien. Ntacyo muzi. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Mbese ntimutekereza yuko ari byiza ku bwacu k'umuntu umwe yapfira abantu kuruta k'ubwoko bwose bwarimbuka. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Ibyo ntiyabivuze kubwe. Amen. Mais étant souverain sacrificateur,
comme Dieu a réveillé Furus, comme Dieu a réveillé Trump, il a aussi parlé à travers Caïphe. Il ne dit pas cela, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir. Et pourtant, Caïphe n'était pas prophète. Et quand Caïphe n'a pas été prophète, il n'y a pas de prophète. Mais Dieu a mis cela dans sa bouche pour notre instruction. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation Israël. Et ce n'était pas pour la nation seulement, parce que nous avons dit que Dieu a deux peuples, n'est-ce pas? Israël en tant que nation, mais Église, corps du Christ. Donc ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà ce dessein que Dieu avait conçu depuis l'éternité, qui était caché en lui-même, sans le conseil de qui que ce soit. C'est pourquoi je crois que si Dieu nous a appelés, réellement il vise ce dessein avec chacun de nous. Amen. Il nous a inclus dans son dessein. Amen. Dieu veut que nous soyons sa demeure. C'est pour cela que Christ est mort. Niyo mpamvu Kristo yapfuye. Il est mort yapfuye. Pour que les enfants de Dieu yapfuye kugira ngo abana b'Imana soient réunis bose bateranijwe hamwe le corps mu mubiri wa Kristo. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la tête du corps. Kubera ko we niwe mutwe umubiri. Amen. 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 Devenez membre de ce corps. Muhinduke rwose abagize uwo mubiri. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Mubatizwe n'umwuka wera. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Mushakishe umwuka umutwe. Demandez-le, Dieu vous l'accorde. Musabe Imana, Imana irawutanga. C'est l'écriture. Ibyo ni byanditswe rwose. Amen. Amen. C'est l'écriture. Ni si nous les pères méchants, ni batwebwe turababye ibabi, nous avons donné à nos enfants ce qu'ils nous demandent. Ariko tukamenya guha abana bacu ibyo badusaba. À combien plus forte raison le Père céleste. Ni kangahe data w'umwijuru. Ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Azarushaho guha umwuka wera abamusaba. C'est notre promesse. Ni isezerano ryacu. C'est ta promesse. Ni isezerano kuri wowe. Amen. Amen. C'est le plan de Dieu. C'est pour ça que ce message a été envoyé. Comment? Comme il a été dit à Fébadam le 11 juin 1933, a été envoyé pour, comme précurseur de la première venue de Christ. Il sera envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Mais on va préparer comment la seconde venue de Christ? C'est en donnant la parole qui puisse amener les enfants de Dieu au baptême du Saint-Esprit. On doit vous dire que c'est votre promesse. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les montagnes la nuit. Croyez Dieu. Croyez sa promesse. Alléluia. Amen. Le baptême d'eau, c'est une ordonnance biblique. Obligatoire. Tous ceux qui avaient cru. Dans acte 2. Acte 8. Acte 10, 11. Acte 19. Tout ce monde-là avait été baptisé bibliquement dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Babatizwaga bijyanye na Bibiliya mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Personne n'a été baptisé dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Père n'est pas un nom, c'est un titre. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des attributs ahubwo, ni du même Dieu.
Chaque père ici a un nom. Papa uri hano afite izina. Je suis aussi père. Nanje ndi papa. Mais c'est pas le père n'est pas mon nom. Ariko papa ntabwo ari izina. Mon nom c'est Muninga. Ahubwo izina ryanjye ni Muninga. Léon. Vous aussi. Namwe. Pour ceux qui ont déjà des enfants, vous êtes père. Kuba fite abana muri ba data. Et nous sommes tous fils à papa. Kandi natwe turi abana ba data. Mais fils ce n'est pas le nom. Ariko nanone umwana ntabwo ari izina. Saint-Esprit ce n'est pas le nom. Mwuka wera ntabwo ari izina. C'est la nature de Dieu. Dieu est esprit. Mais il a été dit, baptisez-les au nom. Au singulier, le nom izina de celui qui a été père, izina rya wa undi wabaye data, qui s'est révélé dans le Fils, wihishuye mu mwana, et qui habite et qui conduit l'église en tant que kandi akaba ari nawe uyobora itorero anyuriye mu mwuka wera. Ce n'est pas trois personnes en Dieu. Ntabwo ari abantu batatu bagize Imana. C'est le seul Dieu. Ahubwo ni Imana imwe. Qui est invisible. Ni Imana imwe yahoze itagaragara. Immortel. Et idapfa. Le seul adorable. Et umwe wo gusengwa. Mais son nom. Ariko izina ryayo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. N'umwami Yesu Kristo. C'est celui qui est mort. La croix, qui a versé son sang, par lequel nous avons le pardon des péchés. Et tous ceux qui ont cru bibliquement ont accepté le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisez Actes 2, 37 à 38. Amen. Donc le baptême d'eau, nous baptisons tout pécheur repentant qui a été touché par l'évangile, qui a accepté le pardon de ses péchés et qui accepte de tourner le dos au monde, de mourir au monde. Des âmes touchées, nous les baptisons. Le baptême ne confère pas le pardon des péchés. Mais par le baptême, vous témoignez votre foi que vos péchés sont pardonnés. Amen. C'est pourquoi il est dit, repentez-vous. Yavuze ati mwihane. Chacun de vous soit baptisé kandi au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Mwasha kubarirwa ibyaha byanyu. En témoignage de la rémission des péchés. Ni ukuvuga ngo ni igihamya cy'uko ubabariwe ibyaha byawe. Le pardon c'est dans le sang de Jésus. Imbabazi zo zibonerwa mu maraso ya Yesu. Amen. Et le baptême d'eau. Quand nous baptisons par le baptême, nous témoignons à Dieu notre foi. Binyuriye kumubatizo duhamiriza Imana tuyereka ko twizeye. Comme Pierre dit, c'est l'engagement d'une conscience pure. Nkuko Petero abivuga ati ni icyemezo cy'umutima utica urubanza. Maintenant par le baptême du Saint-Esprit. Ariko noneho binyuriye kumubatizo w'umwuka wera. Ah là c'est merveilleux. Ahoho rwose ni igitangaza. Dieu lui-même maintenant. Imana ubwayo noneho. Il rend témoignage à notre foi. Niyo ihamiriza kwizera kwacu. Comme le jour du baptême de Jésus. Nkuko byagenze quand le ciel s'était ouvert, dans Matthieu 3, comme nous l'avons lu, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai le plaisir de demeurer. Donc le même bon plaisir qui avait reposé sur Jésus-Christ en tant que tête, en tant que le premier né, le même bon plaisir de Dieu repose sur tous les fils et filles de Dieu, inclus dans le dessein de Dieu. Dieu veut habiter en nous. Amen. Pour que nous puissions être sa portion. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8, verset 9, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dites Amen. C'est pour vous. Amen. Amen.
Et c'est pourquoi, mes frères, kandi, niyo mpamvu bene data, le baptême du Saint-Esprit, umubatizo w'umwuka wera, c'est ça le billet pour le départ dans l'enlèvement. Niyo tike yo kujya kuzamurwa. C'est pour cela que ce message est prêché. Ni nayo mpamvu buno butumwa bubwirizwa. Ce message n'est pas apporté pour que nous remplissions la tête des connaissances, des paragraphes, des brochures. Ubu butumwa ntago bwaje kugira ngo tukuzuze imitwe yacu bumenyi n'ibika n'imirongo y'ibiriya. Si vous lisez dans Acte 19. Et uyusomye mu byakozwe ntumwa 19. Regardez la question. Murebe ikibazo hano. Pendant au verset 1. Ku murongo wa mbere. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Apollos ari Korinto, Paul anyura mu bihugu byo haruguru asora muri Efeso, asanga yabigishwa bamwe arababaza ati, « Mwahawe umwuka wera mutangira kwizera. » Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Amen. Amen. C'était la préoccupation essentielle des apôtres. Icyo nicyo kintu cyari gihangayikishije intumwa cyambere muri byose. Si vous lisez dans Acte 8, iyo usomye mu byakozwe n'igice cy'umunani, Philippe avait évangélisé la Samarie. Et Philippe yari yabwirije ubutumwa muri Samaria. Il était baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ. Bari bamaze kubatizwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Quand les apôtres ont appris cela, igihe intumwa zindi zabyumvise, ils ont dit non, le dessein de Dieu, baravuga batoya, ce n'est pas seulement garder les gens baptisés dans l'eau. Umugambi w'Imana ntabwo ari ukurinda abantu gusa barabatijwe mu mazi. Le baptême d'eau est lié toujours au baptême du Saint-Esprit. Ahubwo umubatizo w'amazi ugomba kugendana n'umubatizo w'Umwuka Wera. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission de vos péchés. Et il y a la suite. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont loués comme au Rwanda. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Donc, la question essentielle des apôtres, ce n'était pas combien de temps vous avez écrit le message, vous avez déjà combien d'années? Non, ce n'est pas ça important. Vous pouvez faire 30-40 ans sans être baptisé du Saint-Esprit. Et un pécheur peut se repentir aujourd'hui, il est baptisé du Saint-Esprit. Donc l'important, la question principale, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'était la préoccupation des apôtres. Vous croyez aussi en Jésus? Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez cru. Parce que c'est la promesse de Dieu. C'est le destin de Dieu. Dieu veut habiter en nous. Il ne disait pas. Vous prêchez, vous êtes déjà prédicateur. Vous êtes déjà diacre. Pasteur. Non. Oh, yeah. Au ciel, il n'y aura pas de diacre et de pasteur. Au ciel, il n'y aura pas de prédicateur. Le ciel, c'est pour les pécheurs repentis. Et baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà la question essentielle. Et pendant que nous prêchons ici, chaque jour que la parole de Dieu est apportée du haut de ses pieds, les croyants font les différentes expériences du salut. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi les jours des cultes sont des jours merveilleux. Quand les portes de l'église sont ouvertes, venez. Venez entendre ce que Dieu dit à travers la prédication. Dieu vous accorde sa promesse. C'est vrai que nous avons besoin d'autre chose. Mais je peux être guéri. Demain, je peux mourir d'une autre maladie. Mais quand je suis scellé du Saint-Esprit, que je vive ou que je meurs, je vivrai. Amen. Je ressusciterai.
Alléluia. Amen. Parce que dans Romains, il dit, kuko mu Baroma aravuga ngo, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, niba umwuka wiyazuye Kristo ari muri mwe, il ressuscitera aussi votre corps. Azazura imibiri yanyu ipfa. Alléluia. Amen. Voyez mes frères. Mubyizere bene data. Et la preuve du baptême du Saint-Esprit. Kandi kimenyetso cy'umubatizo w'umwuka wera. C'est croire toute la parole. Nous kwizera ijambo ryose. Croire la vérité. Kwizera ukuri. Amen. Amen. Et la vérité présente. Kandi ukwizera ukuri kuwo munsi. Aujourd'hui, uyu munsi, nous avons été ramenés. Uyu munsi twagaruwe. À l'enseignement apostolique. Twagaruwe ku nyigisho z'intumwa. Aux pratiques apostoliques de la Bible. Twagaruwe ku mikorere y'intumwa nk'uko byanditse muri Bibiliya. Et si le Saint-Esprit kandi niba umwuka wera est en vous, ari muri wowe, il vous conduira, azakuyobora, dans toute la parole, azakuyobora mu ijambo ryose, comme le courant, nk'uko amashanyarazi, le courant suit le fil conducteur, nk'uko amashanyarazi akurikirana insinga ziri. C'est ainsi que le Saint-Esprit, ukoniko n'umwuka wera, il vient sceller la vérité. Uza ukurikiye ukuri kugira ngo ushyireho ikimenyetso. Ces derniers temps, la préoccupation de l'Église et de tout ministre de Dieu, c'est prêcher la parole sans mélange. Et l'auditoire, c'est de croire, kandi kireba itorero, comme disent les Écritures, kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Et là, vous attirez Dieu en vous. Kandi aho ngaho uburimo wikururira Imana kuza muri wowe. Amen. Amen. Ça, c'est Jean 16, verset 13. Aho ni Yohana 16:13. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Mwuka w'ukuri azabayobora mu kuri kose. Mais aussi, ariko kandi, quand le Saint-Esprit est en vous, iyo umwuka wera ari muri wowe, il met en vous l'amour de la parole. Ashyira muri wowe urukundo rwo gukunda ijambo. Dans Romains 5:5, il est dit, Abaroma 5:5 aravuga ngo, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu binyuriye ku mwuka wera. Et l'amour de Dieu, et quand rukundo rw'Imana, c'est d'abord l'amour de la vérité. Rukundo rw'Imana n'ukubanza gukunda ukuri. L'amour de la parole. Gukunda ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Regardez si vous lisez dans 1 Corinthiens 13. Et turebe mu Bakorinto ba mbere igice cya 13. Il est dit là-bas, haravuga ngo, quand je parlerai au verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, si je n'ai pas l'amour, ariko singira urukundo, cet amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, rwa rukundo rwasutswe mu mitima yacu n'umwuka wera, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, kandi si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singije urukundo ntacyo mba ndicyo. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Vous pouvez manifester différents dons. Ushobora no kugira impano nyinshi. Vous pouvez distribuer vos biens aux pauvres. Ushobora no guha ibyawe abakene. Mais manquant l'amour de Dieu. Ariko ukabura urukundo rw'Imana. Je crois que vous comprenez. Ndibwira ko mubyumva. Amen. Amen. L'amour urukundo de Dieu, rw'Imana, c'est d'abord l'amour de sa parole. N'ukubanza gukunda ijambo ryayo. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean 3. Dushobora kubisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu. Non, 1 Jean 5. Yohana wa mbere igice cya gatanu ndibwira. 1 Jean 5 verset 2. Yohana wa mbere gatanu kabiri. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Kandi amategeko yayo ntarushya. Amen. Amen.
Dans Jean 14, il dit la même chose. Muri Yohana 14 aravuga nk'ibyo ngibyo. L'amour de Dieu, urukundo rw'Imana, c'est d'abord l'amour de sa parole. Nuko banza gukunda ijambo ryayo. Jean 14. Yohana 14. Je commence au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père quand le Consolateur viendra. L'Esprit de vérité. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Yuda utari Iscariota aramubaza ati: data buja bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntuyereke? Suivez la réponse. Mwumve igisubizo. Jésus lui répondit: Yes, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Kandi data nawe azamukunda. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tuzazawari tugumane nawe. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Arikuta nkunda nitondera magambo yanjye. Dit amen. Muvuge muti amen. Et au chapitre 15 de Jean, verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Au verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc l'amour de Dieu, d'abord c'est l'amour de sa parole. Amen. Tous les fils et filles de Dieu abakobwa n'abahungu b'Imana bose sont incrédules aux interprétations. N'abatizera ku nsobanuro z'abantu. Mais ils ont leur cœur grandement ouvert à la parole de Dieu. Ariko bafite imitima ikinguye cyane ku ijambo ry'Imana. Et l'amour de Dieu, kandi urukundo rw'Imana, c'est aussi l'amour du prochain. Ni rwo rukundo rwo gukunda na mugenzi. Pas seulement celui qui nous fait du bien. Atari wa wundi gusa ukugiriye neza. Dieu, si vous avez l'esprit de Dieu, kandi niba ufite umwuka w'Imana, Dieu vous rend capable. Imana iguha ubushobozi. D'aimer même votre ennemi. Rwo gukunda kugeza no ku mwanzi wawe. Dit amen. Muvuge muti amen. Vous savez que, humainement parlant, nous aimons les gens qui nous font du bien. Mais celui qui nous fait du tort, c'est difficile de l'aimer. Mais quand Dieu habite en nous, il vous fera faire, il devient la prolongation de ses jours en vous. Parce que dans Romains 5, versets 5 et 6, jusqu'à 8, Dieu a prouvé son amour envers nous. Quand nous étions des impies, quand nous avions cru, nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ yaradupfiriye. Amen. 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 C'est quand l'évangile est venu, nous avons trouvé adultère, des brigands et tout ce que vous voulez. On nous a dit non, Christ est déjà mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous croyions d'abord. Nous étions encore des impies. Christ était mort pour nous. Et c'est cet amour-là kandi urwo rukundo bwarwo qui verse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nirwo asuka mu mitima yacu akoresheje umwuka wera. Pas aimer seulement l'homme qui vous fait du bien. Atari ugukunda gusa umuntu ukugiriye neza. C'est là que vous pouvez sentir si vous avez le Saint-Esprit. Aho niho wakwipimira niba ufite umwuka w'Imana. Est-ce que vous êtes capable d'aimer votre ennemi? Est-ce que ufite ubushobozi bwo gukunda umwanzi wawe? Pas l'aimer avec hypocrisie. Atari ukumukunda by'uburyarya. Faire semblant de l'aimer. Cyangwa se kwigira nkaho umukunda. Mais l'aimer d'un amour sincère. Ahubwo kumukunda n'urukundo rumaramaje. Priez pour lui. Kumusengera.
Là, il faut Dieu dans l'homme. Ahongaho bisaba kw'Imana ibiri mu muntu. C'est pour ça que Christ est devenu un homme. Kandi icyo nicyo cyatumye Kristo ahinduka umuntu. Il est mort à la croix. Apfa arapfa ku musaraba. Et qu'il est revenu par le Saint-Esprit. Ndetse aragaruka muri twe binyuriye mu Mwuka Wera. Pour nous rendre capable d'aimer comme lui. Kugira ngo aduhindure abafite ubushobozi bwo gukunda nk'uko yakunze. Lisons Matthieu 5. Matayo 5:43. Murongo wa 43. La loi disait. Itegeko ryaravugaga riti. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Dites amen. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est pour ça que Christ est venu. Alléluia. Amen. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, il faut l'Esprit de Christ. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Là, vous êtes comme tous les humains. Oh, nous sommes appelés à être différents. C'est pour ça que Christ a versé son sang. Pour que la vie de Dieu qui était dans son sang revienne à nous. Pour que nous soyons capables de mener la même vie. Dieu nous a inclus dans son dessein. Et cela est votre part. Voyez, Amen. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères? Non, j'aime seulement les gens qui croient le message. Jamais. Nous devons aimer tout le monde. Alléluia. Amen. Mais si Dieu n'a pas fait grâce, si Dieu a illuminé mes yeux du cœur, pour que je comprenne ce qu'il fait maintenant, c'est une grâce. Mais nous étions de leur nombre. On ne peut pas les mépriser. Amen. Amen. Ne devons pas aimer seulement nos frères. Ntago tugomba gukunda gusa bene data. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Nimuramutsa bene wanyu bonyine abandi mubarushiki? Les païens n'agissent-ils pas de même? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Soyons donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru wakiranuka. Si vous lisez dans Romains 12, yusomye mu Roma 12:17, il est dit ne vous vengez pas. Haravuga ngo ntimukihorere. Ne rendez pas le mal au mal. Ntimuka ikiture inabi indi nabi. L'amour ne se venge pas. Urukundo ntago rwihorera. L'amour supporte. Urukundo rurihangana. L'amour pardonne. Urukundo rurababarira. Amen. Amen. Les dons de l'esprit. Impano z'umwuka, comme vous l'avez vu dans 1 Corinthiens 13, ne sont pas l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Si vous lisez dans Matthieu 7 à partir du verset 21, le Seigneur dit, en ce jour-là, plusieurs viendront et ils me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc les dons sont comme la pluie qui tombe sur les bons et sur les méchants. Ils ne sont pas l'évidence du baptême. Amen. Amen. Vous les trouvez chez les faux et chez les vrais. Uzazisanga mu bukuri n'ab'ibinyoma. Mais nous parlons du scellement. Ariko icyo tuvuga ni ugushyirwa ikimenyetso. L'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. La parole croit toute la parole. Ijambo ryize ijambo ryose. Nous ne minimisons pas les dons. Ntabwo dusuzugura impano. Nous sommes pour les dons. Ahubwo dufana impano. Mais les dons authentiques.
dushyigikira impano ariko impano y'ukuri yana au milieu de nous kandi turabizi ko hari impano hagati yacu manger la parole ariko turye ijambo amen amen vous voulez avoir le manguier urashaka kubona planter la semence de la mangue banze utere imbuto y'umwembe dans la saison de fruits non mu gihe cy'imbuto uzasarura imyembe amen amen. Nous ne pouvons pas placer les dons avant la parole. Et c'est là que les pentecôtistes ont failli. Ils ont cru que parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Non. Oh yeah, oh yeah. Et ce dessein merveilleux de Dieu d'habiter dans l'homme s'est profilé depuis l'Ancien Testament. Si vous lisez dans Exode 25 déjà, au temps de la construction du tabernacle au désert, le Seigneur dit, après qu'il ait donné à Moïse le modèle du tabernacle, et les matériaux qui devaient constitué en fait qui devait être utilisé pour la construction du tabernacle, pour dire que dans l'église du Dieu vivant il n'y a que ce que Dieu lui-même veut. Ah. Amen. Dieu ne veut pas qu'on ajoute. Nous ne sommes pas ici pour aider Dieu, c'est lui qui nous a appelés. Et nous sommes là pour nous soumettre à sa volonté. Et qui vous lisez ce chapitre, à partir du premier verset, on indique les matériaux que Dieu avait ordonnés. Et au verset 8, ils feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ah. Amen. Et si vous lisez au verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc Dieu veut habiter avec l'homme. Dans Exode 29, au verset 45, il répète cela. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Et quand tout était fait selon le modèle divin, vous savez tous que la gloire de la Shekinah était descendue. Et il en est de même dans le temple qu'avait construit Salomon. Mais dans la nouvelle alliance, ceci n'était que l'ombre. Dans la nouvelle alliance, Actes chapitre 7, vous pouvez lire à partir du début pour voir comment David, Salomon avait construit la maison de Dieu, le temple de l'Ancien Testament. Au verset 48, il est dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? Et il dit la même chose au chapitre 17, verset 24, le dessein de Dieu, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu est devenu un homme dans toute sa plénitude en Jésus-Christ pour qu'après sa mort, sa résurrection et son ascension, qu'il puisse revenir habiter en nous.
Et aujourd'hui, nous avons la vocation d'être le temple du Dieu vivant. 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ça la vocation que nous avons. C'est pour ça que ce message est prêché. 1 Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Quand nous avons l'Esprit de Christ qui habite en nous, nous appartenons au Seigneur. Nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Nous devenons prisonniers. Ces prisonniers, ces esclaves, par amour de la parole de Dieu, par amour pour son nom, nous ne pouvons plus vivre comme le monde. Nous devenons différents du monde parce que sa vie est revenue en nous. Son esprit habite en nous. Alléluia. Amen. Et dans 2 Corinthiens 6:17, disons rapidement cela. On peut lire d'autres versets. Vous pouvez lire Ephésiens 2:20. Il est dit que par l'Esprit nous devenons l'habitation de Dieu. Donc la vocation que nous avons, c'est d'être la demeure du Dieu. Être le sanctuaire de Dieu. C'est ça l'Église corps du Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important. C'est pour ça que Jésus est mort. Pour réunir les enfants de Dieu. Dispersés à travers les nations du monde entier. Les réunir en un seul corps par le baptême du Saint-Esprit. Pour être l'habitation de Dieu en esprit. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons plus vivre comme le monde. Le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais à l'exemple du premier-né, Jésus-Christ, il disait: pas ce que je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Et c'est ce que tous les fils et filles de Dieu disent: Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Voyez. Amen. 2 Corinthiens 6:16. Quel merveilleux dessein. Vous pouvez lire à partir du verset 14, on n'a pas le temps. Pour montrer qu'il n'y a pas de compromis entre nous, la lumière et les ténèbres. Entre Christ et Bélial. Entre l'iniquité et la justice. Ne soyez pas des chrétiens au compromis. Nous sommes appelés à être séparés. Voyez quand la lumière est là. Où sont les ténèbres? Les ténèbres ont fui. Amen. Amen. Et cette bonne nouvelle, ce message, c'est la lumière du soir. Quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Jamais, jamais. Ou alors on joue au christianisme. Mais réellement, si on est appelé du Seigneur, on marchera dans la lumière. Vous parlerez comme un chrétien.
Même vos pensées. N'imitekereze yawe ubwayo. Ce sont les pensées d'un homme converti. Izaba ari imitekereze y'umuntu wahindutse. Vos sentiments. Ibyiyumviro byawe. Ce sont les sentiments d'un homme affranchi. N'ibyiyumviro by'umuntu wabohowe. Vous vous habillerez comme un homme qui craint Dieu, comme une femme. Uzajya wambara nk'umugabo cyangwa umugore utinya Imana. Vous n'allez pas vous habiller comme le monde, surtout les femmes. Ntabwo muzajya kwambara nk'abisi cyane cyane abagore. Amen. Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ ahuriye he na Bélial? Et verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Il avait déjà dit dans Exode, nous avons lu avec vous. C'était l'ombre. Ce qu'il avait dit là, il le réalise après la mort de Christ avec toi et moi. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quel merveilleux dessein! Mon frère et ma soeur, nous sommes appelés à une haute vocation d'être le sanctuaire de Dieu. Parce que c'est dans le temple qu'il y avait le sanctuaire. Nous avons la vocation d'être la demeure de Dieu. C'est pour ça que Dieu a abandonné les chants des anges. Il est devenu comme un simple homme. Il a porté nos péchés. Il a souffert. Il est mort à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le dessein de Dieu. Et maintenant, l'honneur est pour nous qui croyons. Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu aujourd'hui est par ce message qui retentit, c'est un appel à sortir. C'est pourquoi verset 17. Sortez du milieu d'eux. Sortez du monde. Sortez des traditions. Sortir des dénominations, des systèmes religieux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous allons haïr nos frères. Non. Oh, yeah. Mais tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Même si cela est de ma tribu. Je dis non à cela. Alléluia. Amen. C'est un appel à sortir. Du milieu d'eux. Séparez-vous. Dit le Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. C'est ça ce message. Et un appel à sortir et à la séparation. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Parce que Dieu ne voulait pas voir Jésus seul comme fils. Donc à travers Jésus, Dieu visait plusieurs fils et plusieurs filles. Alléluia. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute cuir de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà, mes bien-aimés frères, le deuxième volet du dessein de glorie de Dieu. Dieu veut avoir la prééminence en nous. L'Église, corps du Christ. Et c'est ainsi que vous lisez dans 1 Timothée 3.
Kandi verset 15 à 16. Muri Timoteo wa mbere gatatu cumi na gatanu cumi na gatandatu. L'église est la maison de Dieu. Itorero ni inzu y'Imana. La colonne est l'appui de la vérité. Niyo nkingi ishyigikiye ukuri. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, on a besoin de la parole. Dukeneyemo ijambo ry'Imana. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Kuko Imana ikora byose ikoresheje ijambo ryayo. On n'a pas besoin de la pensée d'un homme. Ntabwo dukeneyemo ibitekerezo by'umuntu. Parce que Dieu a un dessein glorieux. Kubera ko Imana ifite umugambi w'icyubahiro mwiza. Et le dernier volet, kandi intambwe ya nyuma, quand Dieu vient nous prendre, igihe Imana ije kudutwara, il vient en tant qu'époux. Imana izaza nk'umukwe. En tant que le dernier Adam, izaza nk'Adamu wa nyuma. Comme Adam était avec Ève, nk'uko Adamu yari kumwe na Eva, régnant sur toute la création, bategeka ibyaremwe byose. Dieu n'était pas content depuis la chute. Imana ntabwo yanezerewe uhereye ku kugwa k'umuntu. Il veut rétablir cette condition qui était en Éden. Ahubwo Imana ishaka kugarura uko ibintu byari bimeze muri Edeni. Et si la première Ève, kandi niba Eva wa mbere, a failli, yaratsinzwe, elle est tombée, akagwa. Mais cette dernière épouse, ariko uyu mugeni wa nyuma we, l'épouse de Christ, umugeni wa Kristo, Christ en tant que le dernier Adam, Kristo nk'Adamu wa nyuma, il n'y a pas trois Adam, ntago hariho ba Adamu batatu. Comme on entend dire que Branham est le troisième, le c'est pas le deux, le troisième Adam, non. Nk'uko tujya twumva abantu bavuga ngo Branham ni Adamu wa gatatu. Ça c'est pour dire que Christ est le dernier Adam. Ahubwo ni mu bakorinto wa mbere cumi na gatanu, Kristo ni we Adamu wa nyuma, ni we mwuka utanga ubugingo. Il a dit, parce que je vis, vous vivrez. Yaravuze ati kuko ndiho namwe muzabaho. Et le Seigneur maintenant. None umwami. Dans Apocalypse 3:21. Mu byahishuwe igice cya gatatu makumyabiri na rimwe. Il dit, c'est lui qui vaincra. Aravuga ati unesha. Je lui donnerai à s'asseoir. Unesha nzamuha kwicara. Avec moi sur mon trône. Nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe. Comme moi aussi j'ai vaincu. Nkuko nanjye nanesheje. Et je me suis assis avec mon père sur son trône. Nkicarana na data ku ntebe ye. Donc Dieu nous offre la chose. Ni ukuvuga ngo Imana iradutegurira ibintu. La plus glorieuse. Idutegurira ibintu by'agaciro cyane. Qui consiste à régner avec lui. Ibintu rwose gutwara hamwe nawe. Gutwara hamwe nawe tumeze tumeze nk'umugore w'umwana w'intama. Donc le troisième et le dernier volet de son dessein, ni ukuvuga ngo intambwe ya gatatu ari nayo ya nyuma, ni ukugarura ubwami. Amen. Amen. Parce que le premier Adam avait failli. Kuko Adamu wa mbere yaraneshejwe. Maintenant le dernier Adam, Christ. Noneho Adamu wa nyuma ari we Kristo. Il est venu, il s'est cherché une femme. Yaraje yishakira umugore. L'église. Ari we torero. Alléluia. Amen. Et à son retour, kandi mu kugaruka kwe, selon Matthieu 25, nk'uko Matayo 25 avuga, il vient en tant qu'époux. Araza nk'umukwe. À la recherche de son époux. Aje gutwara umugeni we. Et comme lui est la parole, kandi kuko we ari ijambo, son épouse est la parole. Umugeni we nawe ni ijambo. Si vous lisez dans Genèse 2, uramutse usomye mu itangiriro cya kabiri, verset 23-24, quand Eve était amenée en présence d'Adam, igihe Adamu bamuzaniraga Eva, il était dans l'admiration. Yaranezerewe cyane. Il disait, aravuga ati, voici cette fois-ci, ati dore noneho, celle qui est os de mes os, dore noneho uyu, et chair de ma chair. Ni gufwa ryo magufwa yanjye no mubiro w'inyama zanjye. Ni ukuvuga ngo icyari Adamu, igihe yarebye Eva, c'est la ressemblance à lui. Yahise abona ko basa. Ce n'était pas comme les singes et les autres. Ntabwo byemeze nk'inkende cyangwa n'izindi nyamaswa. Ainsi, ni nako bimeze. L'épouse, umugeni, corps du Christ, umugeni ari we mubiri wa Kristo, doit être parole de sa parole, agomba kuba ari ijambo ryo mu ijambo rye, esprit de son esprit, ari umwuka wo mu mwuka, vie de sa vie, ari ubuzima bwo mu buzima bwe. Alleluia. Amen. C'est pour cela qu'il envoie sa parole maintenant, ni nayo mpamvu yohereza ijambo ry'uyu munsi, pour laver son église, kugira ngo ryoze ritunganye itorero, pour la sanctifier, kugira ngo ritunganye itorero, afin que ce jour là, kugira ngo uriya munsi, il puisse la présenter à lui-même, azaba abashe kuryishyira ridafite ikizinga, ridafite umunkanyari, ridafite ari ikintu cyose kisa gutyo. Umugeni ukozwe n'ibikoze Kristo ubwe. Alleluia. Amen.
Pourquoi? Kuberiki. Pour restaurer. Kugira ngo agarure. L'Eden qui avait été perdu. Abashe kugarura ya Edeni yazimiye. Pour régner. Kugira ngo abashe gutegeka. Avec Christ. Utubashe gutegekana na Kristo. Et ce sera merveilleux. Kandi bizaba ari ibintu byiza cyane. Quand un président fait 20 30 ans. Iyo mu president amaze imyaka 20 cyangwa 30. La population crie, il a fait longtemps, il a fait longtemps. Abaturage batanya gusekuza ngo amaze igihe kinini amaze igihe kinini. Notre époux. Ari ku mukwe wacu. Le prince de paix. Umwami w'amahoro. Ce sera un règne de 1000 ans. Zaba ari ubwami bw'imyaka igihumbi. Il n'y aura pas de guerre. Nta kiriyo kizabaho. Pas de bruit de guerre. Nta pas de bruit de guerre. Nta rusaku rw'intambara. Un royaume de paix totale. Uzaba ari ubwami bw'amahoro yuzuye nta ntambara. Le loup et l'agneau vont brouter l'herbe ensemble. Intare n'umwana w'intama bizarishanya hamwe. Les armes vont être changées en houx. Intwaro bazazicuramo amasuka. Alléluia. Amen. Mbega umuhamagaro w'ikirenga. Imana yaguhamagaye mwene data. Uw'Imana yaguhamagaye mushiki wacu. Ibyo ngibyo mubyakire mubyemere n'ibyanyu. Kandi iyo niyo mpamvu yanyu kuba hano. Mwateguriwe ibyo ngibyo. Tuhaguruke ku gusenga. Je laisse le frère conduire l'adoration. Mwanya nkwari mwene data kuyobora amasengesho. Mungu wetu wajapo, Mungu wetu wajapo, Mungu wetu wajapo, ajapo, aliacha utukufu kwa kutukomboa. Kweli Yesu ajapo, 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 alipanda musalaba, ajapo, akatufilia, ajapo, tumusifu ni wajapo yo, ajapo, ajapo. Imana ihu mugisha umukozi wayo. Que Dieu bénisse son serviteur. Nuko musabira cyane. Devons prier beaucoup pour lui. Kuko aracyakomeza umurimo w'Imana. Il continue avec l'œuvre de Dieu. Ese azagende atanga indamutso zacu. Qu'il parte en donnant nos salutations. Nagira yo nanone azahe indamutso umushumba Mbiye. Et quand il va arriver, il donne nos salutations au pasteur Mbiye. Est-ce que vous réussissez qu'il retourne encore une fois de plus au milieu de nous? Kandi Imana yamukoresheje cyane. Et Dieu lui a beaucoup utilisé. Kuko yavuze byose. Il a tout dit. Ibyo yavuze, tout ce qu'il a dit. Umuntu yitonze yabibwiriza ukwezi kose. Si quelqu'un prête attention, il peut le prêcher tout un mois. Ibyo yavuze. Tout ce qu'il a dit, ibyo yabwirije, tout ce qu'il a prêché, yitonze, en toute sécurité, toute quiétude, afite igihe, ayant le temps, ashobora kubibwiriza n'ukwezi kose. Il fait le prêcher tout un mois. Ariko iminota 15 dans 15 minutes, Petro yavuze byinshi cyane. Pierre a prêché beaucoup de choses. Icyangombwa ni uko twumvise ijambo ry'Imana. L'essentiel est que nous avons écouté la parole de Dieu. Intambwe zose, intambwe zose. Et toutes les étapes. Reka turirimbe dushimira Imana. Nous allons louer le Seigneur. Hanyuma turaza gusenga. Après nous allons prier. Pasteur Théo aradusengera turangije. Et le pasteur Théo va prier pour nous pour clôturer. W'Imana yacu, ushime Mana wakoze ibikomeye, ushime yo, ushime Mana we, ushime wakoze ibikomeye, ushime watuvanye mu binyoma. Ushibo,
mana we ushipe wakondi kome ushipe ushipe saite puto ushipe mana ukoribe kome ushipe mana ushipe mana we ushipe wakondi kome ushipe ulimana ujira ini mani gomgisha ijwi ry'Imana go mu ngira nawe mu ngira y'ikubi Imana aya rero ya ngira nawe uwari kwe mo ngira ngira nawe mu wino wije mu kubu Imana nabari hanze nabo barumvise ijwi ry'Imana yaze hano mwene data turamutegereje kugira ngo tubashe kurangiza amazi arahari n'imyambaro irahari mu gihe turimo gusenga nawe ube wigira hano urukundo rw'Imana yacu wacu Yesu Kristo uri Imana uri Imana nyamana uri Imana yatanze amaraso kugira ngo ucungure umuntu none mubo wacunguye mwami mwene data arimo mushiki wanjye arimo uwizeye iri jambo n'uyu mwene data uhagaze aha n'amaraso amuzanye mwene data waje yazanywe n'amaraso mwami turagushimiye ishimwe n'icyubahiro kugarukire uhimbazwe uri uw'icyubahiro uri Imana nyamana mana nzima ijambo ryawe ni ukuri mwami ntago habazwa ngo usengera he ntago habazwa ngo watangiye ryari kwizera ahubwo haravuga ngo wabonye umwuka wera none mana ishobora byose utwongere utwongerere umwuka wera agwire mu mitima yacu agwire mu mibereho yacu agwire mu bugingo bwacu maze imbaraga zawe imbaraga z'agakiza kuko ari wowe Mana ikiza zuzure mu bugingo bwa mwene data na mushiki wanjye zuzure mu bugingo bw'itorero kuko tubigusabye mu izina ryawe urakoze mwami iri jambo ritubera imbaraga kandi Imana ishobora byose turacyari kumwe nawe uracyari muri iri torero kandi mwami tujya tubona abantu batanga agashinguracumu bagatanga akanozangendo none Imana ishobora byose manura umugisha kuri buri wese mwami abona imbaraga abona mwami nanjye umpereyeho kuyugerera muri iyi nzu wese wateranye wese muhe umugisha Mana ishobora byose Mana nzima urakiza tukweretse abarwayi tukweretse abafite intege nke uri Imana ikiza mwami
gira hukora mwami mwene data kire mushiki wanjye kire ari uwateranye ari n'utateranye uri imana ikiza gira hukora mwami dukize mu mwuka no mu mubiri ukize umutima ukize umubiri amahoro yawe adusabe amen ibyishimo byawe amen bidusabe tuzaterana ubwa nyuma buri murimo wose hari igihe uzakorwa ubwa nyuma tugusabye iherezo ryiza tukinezerewe muri aka kanya dusabye iherezo ryiza mwami iherezo ryo kuzakubona iherezo ryo kuzabana nawe uhe umugisha umugaragu wawe wakoresheje uhe umugisha pasiteri wacu ugihe umugisha abakozi bo muri ritorero uhe umugisha abakozi mu murimo wawe uhe umugisha abakwizera uhe umugisha igihugu cyacu uhe umugisha uyu mwene data ugaragaje ko akwizeye mwana urakoze imbaraga ibisubizo bigendanye n'ibyo dukorera iyo tugusabye dutegereje ubuhamya bwabyo mu izina rya Yesu Kristo no dusabye dushimura koze amen mwene data basha KGF Benis ndumva pasteur yasabiye mwene data umugisha kandi yamuhaye n'intashyo le pasteur a prié et a demandé le bénédiction pour le frère et les salutations ahasigaye buri wese akomeze chacun de nous doit continuer en afate icyatahanye et qu'il prenne tout ce qu'il a reçu en ce lieu amahoro ya Kristo ajyane na buri wese que la paix du Seigneur va avec tout le monde Sinakwiyumanganya kutambuka ibyo Yesu yankoreye sinabishobora reka mbimushimire Sinakwiyumanganya kutambuka ibyo Yesu yankoreye sinabishobora reka mbimushimire Sinakwiyumanganya kutavuga ko yasize icyubahiro azakonca kesha Yesu ndabimushimira Sinakwiyumanganya kutavuga ibyo Yesu yankoreye yewe sinabishobora reka mbimushimire Sinakwiyumanganya kutavuga ko yameneye amaraso kubw'ibya byanjye Yesu ndabimushimira Sinakwiyumanganya kutavuga ibyo Yesu yankoreye sinabishobora reka mbimushimire Yewe sinakwiyumanganya kutavuga ko yantoranije mu magana menshi Yesu ndabimushimira Sinakwiyumanganya kutavuga ibyo Yesu yankoreye Yewe sinabishobora reka mbimushimire Yeah.
vivant.